Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et on va être encore sur une ouverture de la Japan Inbox. Donc j'ai déjà fait une vidéo présentation de la Japan Inbox, mais ce sont deux personnes donc personnellement que je trouve formidables, qui sont des jeunes et qui sont à fond dans leur projet. Donc à la fin de la vidéo tu verras, c'est la playlist jeunes créateurs etc, enfin voilà. Parce que après tout, même si c'est pas des jeunes créateurs comme des illustrateurs ou des gens qui font comme moi des petites créations, des petites toiles, ou par exemple, je sais pas, des personnes qui feraient des perles de mama, mais c'est une petite entreprise, c'est deux personnes qui font ça à côté de leur vie, et je trouve ça pas mal de les soutenir. L'une des deux personnes, j'ai perdu le nom, mais avec qui j'avais discuté aussi la dernière fois, m'a envoyé un message pour me dire, écoute Ibi, la prochaine box, il y a ça au niveau des thèmes, des univers de manga, est-ce que ça t'intéresse ou pas? J'ai dit oui, celle-là, elle va me plaire. Donc pour une fois, ça reste, je crois qu'il n'y a que des univers que je kiffe. Donc cette fois-ci, je paraîtrai peut-être plus expressif, plus en joie que la dernière fois. La dernière fois, j'avais pris plus pour tester, pour découvrir. Alors que c'était pas forcément que des univers que je connaissais ou que je maîtrisais, hein. Il y avait de Tokyo Revengers, je connais pas, Jojo Bizarre Adventure, je n'ai toujours pas regardé, j'avoue. Voilà. Et au cas où, cette figurine-là de Ololo, un truc comme ça, j'ai perdu son nom, de Shaman King par exemple, mais ça je connaissais par exemple, Shaman King, ça a bercé mon enfance, donc voilà. Mais le reste, c'est vrai qu'il y avait presque plus de la moitié de la box où je connaissais pas forcément les milieux, donc ça se voyait pas sur mes yeux ou mon visage que je rayonnais de joie. Là, ça risque d'être un peu plus. Voilà, donc je t'inviterai à aller voir la précédente vidéo pour avoir plus d'informations sur qui ils sont, etc, etc. Et tous les détails après seront dans la barre d'infos. Donc voilà à quoi ressemble le colis. Alors, j'ai juste enlevé le... Là, je crois que c'est un scotch qu'on peut enlever facilement. Voilà, ça c'est l'avantage. Oh, ça c'est beau. Il y a le scotch transparent à côté qui gêne. Voilà, hop. En plus, il faut que je fasse gaffe à pas trop tout abîmer parce qu'après, il faudra que je fasse un ou deux TikTok par derrière. Donc, bon. Il faut que je fasse gaffe à tout ça, c'est vrai. J'ai pas pensé du tout à faire le TikTok avant. Voilà. Donc c'est parti, on aperçoit un petit peu, mais pas grand chose. Ok, on voit le manga en premier, je pense. Voilà comment c'est présenté. On va découvrir ça ensemble, mais je vais essayer de me garder le plus de surprises possible. C'est le papier. Le papier destinataire. Et on a tout. Alors ça doit être, je crois, juste des cartes Dragon Ball. Ouais, c'est ça, c'est des cartes Dragon Ball. Ah, il y a de la bouffe avec. Ce choix ingrédients, sucre, machin, glucose, maïs et compagnie. Il doit avoir un chewing-gum ou une connerie dans le genre. Donc voilà à quoi ça ressemble. On ouvrira tout ensemble à la fin. Là, on va juste découvrir, je pense. J'ai à moitié de me spoiler. Tout va bien. Ensuite, on a une petite pub. Ouais, c'est ça. Une pub pour un manga des éditions Glénat. Cet été, découvre le nouveau manga de Just Louis. Voilà. Alors, un homme sait être responsable de ses actes. Kaylee ne rêve que d'une chose, passer l'épreuve du catafalie afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement, le jeune garçon peine à s'intégrer à la philosophie pacifique de son peuple et son impatience lui attire la colère de son père, le roi. C'est alors qu'Anassi, le sorcier, a une vision d'apocalypse. Le village va se faire envahir par les étrangers dotés de pouvoirs aussi mystérieux que meurtriers. Projeté dans un conflit qui le dépasse et tiraillé entre la violence, vengeance et vaudou, Kaylee va découvrir que devenir adulte, si bien plus que de savoir donner des coups de poing. Découvrez le premier manga afro-fantasy inspiré de contes de légendes d'ouest africaines. Série terminée en 5 tomes, du coup, chez les éditions Glénat. Et il y a les réseaux sociaux de l'auteur.
Bah, je dis pourquoi pas, à tester. Du coup, il sort en été, il n'y a pas la date du tout, non. À voir, du coup. Ensuite, on a... Oh, très joli. Ok, on a une belle illustration avec un petit peu de couleur or, c'est plutôt sympa. Le soleil aimait tellement ses enfants qu'en s'approchant pour les éclairer, son regard les a brûlés. Proverbe Baor. Très très beau. Ensuite, on a une une illustration du coup des éditions Meiyan pour Touhou. On a le marque-page Touhou. Le manga, ça tombe bien, je ne l'avais pas. C'est vrai que sinon, d'habitude, il m'avait demandé la dernière fois si je possédais ou pas le titre. Parce que, étant donné que moi, je suis en collab déjà avec les éditions Meiyan. Et ça tombe bien parce qu'il m'intéressait, mais j'ai jamais osé demander à Meiyan et j'ai jamais aussi osé me l'acheter. Voilà, donc très très bon choix, idée, voilà, découverte, on va dire. Et donc, je vous annonce qu'il est 15h. J'adore la qualité de dessin, vraiment à tester. Kosuzu tient une librairie, Suzunan, dans un village, dans le village des humains. Au cœur des terres illusoires, elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, des livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Un jour, Kosuzu parvient soudainement à les lire. Pendant ce temps, l'ombre d'un dangereux yokai, plane sur le village. Donc ça, ça a l'air vraiment très 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 intéressant. Ensuite, j'aperçois un poster qui va me plaire, mais de ouf, parce qu'en plus en ce moment, je suis à fond sur cette série. C'est un poster Death Note. Et en fait, il faut savoir que, donc, comme tu le sais, je fais des toiles, comme ici. Là, c'est du Hunter x Hunter. Voilà. Ça, c'est une toile Hunter x Hunter que j'ai fait. Et donc, en ce moment, j'ai acheté un tome 2. Donc, il faut savoir que récemment, j'ai acheté le tome 2 de Death Note pour en faire des toiles. J'ai fait 3 pour l'instant toiles, du coup, une de Ryuk, une de L et une de Kira. Et justement, je les ai fait hier, donc ça tombe bien. Et si jamais, là, c'est Isagi, je crois, si je dis pas de bêtises, au niveau du nom, dans Blue Lock, le héros principal. En fait. Voilà, voilà. Hop. Et donc là aussi, c'est un personnage, c'est celui qui a les cheveux noirs et jaunes. Voilà, j'ai perdu les noms. Yeah! Oh, ok. Death Note. Donc c'est la page 1, je pense. Je sais pas. C'est les premières règles. Qu'il faut mettre le nom, que ça dure 40, enfin qu'il y a le truc de 40 secondes, etc. Et ben ça tombe bien parce que je vais le mettre dans mon déco du coup d'appartement pour ma déco d'Halloween. Ça, je suis revue. Ah, ça c'est trop beau, c'est trop bien. Donc du coup le poster au cas où il vient de Abyss Thai. Voilà, ils ont que des produits officiels dans cette box et ils ont du coup une collab avec Meiyan pour pouvoir vous proposer des mangas et aussi avec Abyss Thai. Oh, trop mignon! Oh non, je meurs! Donc, ce sont des figurines, du coup. Donc, il y en a 5 à collectionner de Bandai. Il faudrait que je leur demande, du coup, pour avoir le panda. Parce que, du coup, on peut avoir ces 5-là. Et moi, j'ai eu, du coup... J'ai perdu les noms. Je suis désolée, je retiens jamais les noms dans les séries, à part vraiment giga coup de cœur. Mais le prof au bandeau, voilà. Donc ça, je suis trop contente parce qu'il est trop mignon et que j'adore. Bon, c'est dommage, c'est que c'est pas, tu sais, surprise. Donc voilà, mais en tout cas, je suis trop 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 contente. Parce que j'ai adoré, et j'ai pas fini encore la saison 1, j'avoue. Mais j'ai adoré et j'ai commencé en fait parce que je savais aussi qu'il y allait avoir donc la fameuse suite. Donc ça, c'est un petit bonbon. Un petit chewing-gum, je vais pas le manger parce que très clairement, voilà. Ah, mais je suis refait par contre, il est trop choupi. D'accord, il est suspendu sur ses lunettes, c'est trop chou. Abusé. Attends, hop, on va enlever le gant pour que tu puisses bien voir. Voilà. Et il est assis sur ses lunettes. Que demander de plus? Vraiment, que demander d'emballage? On va tout garder parce que après il y aura les photos pour Insta et compagnie. Un gachapon. Dragon Ball. Et vu la tenue, nous avons le personnage que j'adore.
Vu que toi, tu n'as pas vu qui ça pouvait être, je vais te montrer qui on peut avoir. Voilà. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 différents. On peut avoir tout ça. Et nous avons eu lui en jaune. Et donc le voilà. Je suis moins fan, je trouve qu'il est moins bien travaillé, ou je ne saurais pas dire. Oh, après c'est un gachapon, c'est normal, c'est pas le même prix à mon avis. Oui, ça serait bien par contre que tu te mettes dans le bon sens. Okay. Voilà. Ça, je sais à qui ça va plaire. Ça me donne mille, hein. J'avais dit que j'ouvrais tout à la fin, mais en fait j'ai tout ouvert. Donc on va ouvrir le petit truc là. Ça. Donc quand je disais que je savais à qui ça allait plaire, tout ce qui est Dragon Ball, moi personnellement j'ai beau avoir regardé toutes les saisons et je ne sais combien de fois, parce que je ne sais combien de fois mon ex m'a fait regarder cette série, mais je n'ai jamais accroché. Eh oui. Mais je sais que mon meilleur ami actuel, ça va lui plaire. Donc... Oh! On a une superbe illustration. Trop beau. En plus, ça brille, c'est génial. Ah, c'est, j'ai l'impression que c'est un stickers. Je suis pas trop sûre. Donc, Freezer. Si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Freezer. Et avec... Oui, c'est un petit chewing-gum. Voilà, c'est un petit chewing-gum. J'adore l'odeur de ces chewing-gums, mais je déteste le goût de ces chewing-gums. Voilà, on sait bien, c'est que je vais bientôt revoir mon meilleur ami. Ensuite, on a une Funko Pop One Piece. Voilà, donc on pouvait avoir Luffy, on pouvait avoir Zoro, on pouvait avoir Kaido Super, et on pouvait avoir Jinbei, et on a eu du coup Luffy. Dans sa version comme ça. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir avec délicatesse au possible parce que. Voilà. Ah, j'ai réussi. Waouh, d'accord. Ah, ça change des pop classiques. Là, je la trouve vachement plus badass. Je me demande si elle ne brillerait pas dans le noir à cause de la matière qui est derrière. Comme ça. Alors je vous donne rendez-vous bien entendu sur Insta pour tout simplement voir les figurines qui tournent, etc. Je ne pense pas le faire dans cette vidéo. Je crois que la dernière fois je l'avais fait, mais là je pense pas le faire dans cette vidéo car très clairement j'aurai pas le temps de faire ça. Mais sur Insta la semaine quasiment après je pourrai le faire et il y aura des posts du coup, un post par figurine, par goodies, etc. Donc ça, on va juste remettre ça dans sa boîte. Voilà. Ensuite, on passe à un petit goodies. C'est un chewing-gum Pokémon. Voilà. Alors, c'est juste un petit chewing-gum, tu vois, qui se... dessous. Pokémon. Donc ça, je trouve ça plutôt mignon d'avoir un petit bonbon. Donc, il reste quelques petits goodies comme les stickers qu'on avait eu aussi dans la précédente box. Mais là, on a... la figurine, et c'est ça qui m'intéressait le plus, une figurine Chainsaw Man, et avec le personnage d'Enki, si je dis pas de bêtises. Je suis désolée, vraiment, les noms, je retiens que les noms des personnages que je préfère dans chaque série, en fait. Voilà, donc c'est une figurine à monter, les gars. Yeah, l'image voit sur mon visage. Bref, toujours est-il, Chainsaw Man, il faut savoir, j'ai bien aimé la série. J'adore Power, je vais faire Power en cosplay. On va donc continuer le colis avec du coup les petits stickers qu'il y avait. Donc on en a un de Demon Slayer. J'ai perdu le nom, mais je vois qu'ici c'est la fille avec la combi rouge. Je crois que je n'ai pas regardé encore Naruto. Voilà. Oh, un deuxième chewing-gum. On a...
je l'adore. Merde, j'ai regardé que les deux premiers épisodes, mais il faut que je regarde le truc de skate. On a la fille dans Code Geass, si je dis pas de bêtises, et non. Et le trio dans Jujutsu Kaisen. Trop mignon. Faudrait que je fasse une mini-toile avec que les persos comme ça. Ensuite, pour terminer, on a un petit flyers avec un récapitulatif en fait des goodies qu'on a eu. Donc il y a la figurine, la petite image, le manga, le poster Death Note, la figurine et donc les deux straps, un gachapon et un autre en machin, et la carte. Voilà, et tu as le petit QR code pour accéder carrément, je pense, ça doit être voilà, le magazine. Avant, la dernière fois, il y avait un magazine du coup où tu avais tout ça, toutes les informations, plus des actus et tout ça qui eux-mêmes écrivent. Là maintenant, tout est en dématérialisé, ce qui n'est pas plus mal pour eux parce que ça leur fait faire des économies. Et voilà, je trouve ça cool. Donc on va monter maintenant la figurine. Yes. Et voilà du coup le rendu de la figurine. Elle est juste ultra stylée. Alors forcément, ça fait le focus sur moi. Voilà. Elle est giga stylée. Je sais pas son prix, mais en tout cas, à mon avis, il les vaut. Je crois que c'est des figurines environ de 40 euros et elle les vaut largement. Elle est juste giga stylée. Le seul défaut que j'aurais à dire, il manque du sang. Très clairement, il manque du sang. Est-ce que je peux éventuellement la mettre dans mes étagères? Telle est la question. Et bien écoutez les amis, ça passe. Elle rentre dans mes étagères. Alors là, ça ressemble plus à rien. On dirait qu'il sort du coup de... Comme une autre précédente vidéo où j'avais fait la même connerie avec une autre figurine. Mais on a l'impression qu'il sort du coup de mes remparts de manga, c'est trop drôle. Donc on va terminer cette vidéo avec juste un petit récap de ce qu'il y a eu et de ce que moi j'en ai pensé. Donc la pop de One Piece, j'adore, même si personnellement je suis pas trop fan de l'univers, mais elle reste ultra badass. J'aurais préféré si ça avait été Zoro, très clairement. Mais c'est le principe d'une box, on n'a pas forcément le personnage que l'on préfère. Mais voilà, ça reste stylé et de toute façon moi je vais l'offrir à mon meilleur ami je pense. Donc elle est pas perdue. Ensuite, la petite illustration, je la trouve stylée, là, avec l'illustration qui brillait, je la trouve stylée, j'adore. Le manga, du coup, bah, c'est cool, c'est un nouveau tome 1, et ça me permet, en plus, moi, de découvrir une série que je ne connaissais pas des éditions Meian et que j'avais peur de tester. Ensuite, le poster, giga coup de cœur, Death Note, c'est juste ma vie. Bon, je suis désolée de vous annoncer ça, mais moi, je suis Team Kira. Avant qu'il nous pète une durite, j'ai toujours été Team Kira. Voilà. Le petit straps du coup Jujutsu Kaisen, j'adore et je vais demander du coup si c'est possible d'acheter le panda. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, ça prouve au moins, vu que là la box, ils savaient très bien à qui l'envoyer, ça prouve qu'ils ont fait aléatoirement parce que sinon j'aurais pu avoir le panda. Bref, le gachapon, ultra stylé. Voilà, bon, Dragon Ball, j'en suis pas fan, mais c'est pas très grave, pareil, c'est pas perdu. L'étiquette, enfin la carte Dragon Ball aléatoire aussi, ça je trouve ça stylé, c'est classe et ça fait toujours plaisir. Et les deux petits chewing-gum du coup Pokémon, je trouve ça classe parce que ils ont essayé de rajouter ça en plus plutôt que, je sais plus ce qu'il y avait eu la dernière fois comme ça, mais ils essayent en fait de mettre un petit peu aussi de snack dedans. Et bon, bah les stickers qu'il y a eu comme la dernière fois, ça j'adore. Franchement, je suis très content. Et moi, j'adore avoir les petits stickers parce que la preuve... Oups. Moi, je m'amuse bien avec des stickers. J'en fais des toiles. Voilà, par exemple, celle-ci. Donc, moi, personnellement, ça me va très bien. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne le petit récap, ce que j'en ai pensé. Et n'oublions pas, du coup, cette beauté. Juste, c'est une beauté. Bref, la vidéo est à présent terminée, je te mets l'ouverture de la précédente box ici, la playlist qui va bien, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted si jamais le cœur t'en dit. Dans la barre d'infos, tu as les codes promo pour pas mal de sites, les liens avec mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, dont notamment ma boutique. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!